Oh mon Dieu, à 12h35, regardez, je l'étais en créatif. Regardez, il est en créatif, il nous a menti. Comment je peux avoir confiance en toi depuis toutes ces années? Mouais, j'ai triché. Oui, je vous ai menti. Mais bien sûr que non, je n'ai pas triché. Ceci est un message pour les petits malins croyant avoir démystifié la supercherie de l'année. Il est vrai que dans l'épisode précédent, entre le moment où je revenais du donjon du Nether et le moment où je revenais à la base, je me suis mis en mode créatif parce que franchement, je commençais à être perdu. J'étais totalement perdu, c'était un truc de fou. Mais c'est pas pour autant que j'ai triché les gens, je m'en suis juste servi pour me déplacer pour revenir au portail, pour le retrouver. D'ailleurs, si vous regardez bien, après je suis repassé en mode survie direct. Mais jamais je me suis give un truc ou quoi que ce soit, je ne me suis rien givé dans l'inventaire, ça vous pouvez en être certain. En plus, pour tout vous dire, c'est un abonné qui m'a donné l'astuce. Il m'a dit, hey Jolat, tu sais que quand tu tapes ça, tu peux faire ça? J'ai dit, ah ouais? C'est plutôt cool ça. Mais rassurez-vous les gens, je m'en suis servi juste une petite fois. Voilà, c'était juste pour me déplacer. Franchement, j'étais complètement perdu. Voilà, sinon, j'aurais jamais pu rentrer à la base, quoi. Voilà, ça, on va mettre ça là-dedans. C'est nickel, c'est impeccable. En tout cas, les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Minecraft. Souvenez-vous, la dernière fois, on revenait du Nether avec... Tais-toi, toi! Hein? Regarde-le, il le mérite, hein, il le mérite. On va encore dire que je te maltraite, mon vieux, là. Non, mais sérieux. Et Oh, merde. Ah oui, je sais que faut pas que je marche dans le champ. Oui, je sais, je sais. Attendez, je vais faire la petite récolte du truc. En tout cas, ça fait plaisir de voir tous les retours à chaque fois que j'ai sur les épisodes. Vraiment, merci à tous. Merci pour tous les likes, les partages, les commentaires, toutes les astuces et tout. Il y a vraiment plein d'astuces à chaque fois dans les commentaires. Donc ça, ça fait super plaisir. Putain, je suis en train de faire du parcours, mon vieux. Laisse tomber, là. C'est un truc de fou, quoi. Et la dernière fois, je vous avais demandé, si vous étiez chaud pour que la série continue, de mettre 4000 likes sur l'épisode de Minecraft. Eh bien, vous les avez mis. Franchement, ça fait super plaisir. Putain, j'étais bugué, là. Donc ça, franchement, c'est bien cool. Et si vous êtes toujours chaud pour que la série continue, eh bien, vous pouvez refaire de même. À 4000 likes, les gens, on rebalance la suite de Minecraft. Et regardez, ça commence à faire jour. C'est excellent. J'aurais dû apporter Mahou. Ah, je l'ai pas apporté. Je vais aller la chercher. Tais-toi, saloperie. Alors, on va caler 2-3 graines. Tac, ça c'est bon. Voilà, on va replanter quelques graines vite fait, bien fait. Et bah, c'est nickel tout ça. Regardez ça. Alors oui, au fait, je tiens à revenir sur un petit sujet très important. Pour toutes les personnes qui m'ont dit oui, Jolat, le bambou, ça pousse beaucoup plus vite sur le sable que sur la terre. Toutes les personnes qui m'ont dit ça... Arrête la drogue! Non, les gens, faut arrêter. Ça, c'est des légendes, hein. C'est comme l'histoire des torches qui fait pousser plus vite le blé pendant la nuit. Non plus. Non, non, c'est juste... Ouh, Thomas Gogot. Oui, oui, vas-y. Meule, meule, t'as raison, vas-y. Taisez-vous! Alors, ah, ils écoutent, hein, quand je leur dis ça, hein. Tout de suite, on ferme le clapet, hein. Ouais, j'ai su me faire respecter maintenant. Mais Jolat, tu maltraites les animaux et tout. Eh ben non, mon vieux, bah c'est qu'il écoute pas. Alors, bon, encore une fois, les gens, beaucoup de choses de prévues dans cet épisode de Minecraft. J'espère qu'on va avoir le temps de tout faire, franchement. On a beaucoup, beaucoup de choses de prévues. J'aimerais partir en randonnée avec mon canasson. Hein? Ça va? Alors, pareil, hein, dans les commentaires, à ce qui paraît, on te maltraite. Genre, regardez ça, j'ai fait un abreuvoir et tout, mon vieux. Hein? Dis-leur que t'es pas maltraité. Dis-leur que t'es pas maltraité, alors. Il est pas maltraité. Vous voyez, il va très bien. Bon, allez, venez, mes agneaux. C'est l'heure de la soupe. Vas-y, vas-y. Mangez, mangez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mangez. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, ça y est. Impeccable. C'est bon, stop. Voilà. Bon, on approche la saison de Noël. Ça va être l'heure du gigot. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est l'heure de la tonte, hein? C'est l'heure de la tonte, messieurs, dames. Allez, venez ici, là. C'est parti. Qu'est-ce que je suis cruel, mon vieux. Viens ici, toi. Oh oui, toi, tu brailles en plus, mon vieux. Allez, venez, mes agneaux. Venez, mes petits agneaux. Voilà, c'est bien, c'est bien. Pas les petits, pas les petits. Pas les petits. Voilà. Alors, comme ça, on braille, mon vieux. Hein? Je vais t'apprendre à bêler. Ah bah, ça fait du monde en moi tout de suite. Hein? Ah, ça fait déjà moins de boucan. Je sors de là-dedans. Tu parles, mon vieux, il braille tout ce temps. Ah bah, regardez ça. Oh putain, gars, j'en ai récupéré du mouton. Ce qu'on va se faire aussi, les gens, c'est que je vais faire un petit enclos avec du poulet parce que ça, ça va me servir à faire des flèches. Et ouais, très important. Alors, dans les commentaires aussi, vous avez été nombreux à me dire que le Wither, le dragon, n'était pas dans le Nether, mais en fait, il est dans une autre dimension. Et pour ça, faut faire un autre portail pour y aller. Et là, par contre, ça dépasse mes compétences un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais mettre un petit peu de viande de mouton à cuire tranquillement. On m'a dit aussi que je pouvais utiliser des seaux de lave pour mettre dans les fours, apparemment. Donc ça, ça peut être cool. Si je vois de la lave, et ben j'en remplirai un seau. Donc, on va le faire, cet enclos pour les poulets. Et ben on va les mettre là, les poulets. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils seront parfaits ici. Allez, c'est parti. Voilà, impeccable. Et ben reste plus qu'à aller chercher des poulets, mon vieux. C'est parti. Alors les poulets, apparemment, ils sont attirés par les graines. J'avais vu un poulet par là. Viens, mon petit poulet. Tiens, regarde donc.
Et puis ton petit copain là-bas aussi. Allez, venez mes cocottes. On va les ramener à la maison bien tranquillement. Voilà, c'est bien. Venez mes cocottes. Voilà. Vous allez être bien ici. Vous allez être parfait ici. Allez, fais un petit poulet. Ah bah oui, ils ont fait un petit poulet. Regardez ça, comment qu'il est tout mignon. Ils ont fait un petit poulet. Je vais aller chercher des torches. Oui, mes petits poulets, oui. Regarde, voilà. Vous serez parfait ici. Je vais ramasser un peu de canne à sucre tranquillement. C'est impeccable. Tiens, on va cheater un peu. Je vais faire pousser plus vite les trucs. Voilà. Alors, je sais que c'est pas bon de marcher sur les graines. Mais là, mon vieux, il n'y a pas trop le choix. Y a... Voilà, c'est bon, j'en ai plus. Allez, vas-y, fais péter la récolte. Impeccable. Eh ben, nickel. Oh, regardez, ils ont fait des œufs. Attends. Attends, voir. Hop là, va t'en de là. Ah, ça, ça va être bon, ça. On pourra faire des petits gâteaux avec ça. Hein? Allez, fais des petits. Merde, je l'ai tué. Bon, bah, c'est pas grave, il fera des petits avec son gamin. Putain, bah alors. Tiens. Dégage. Voilà, casse-toi de là. Vous inquiétez pas, je vais ramener d'autres petits poulets. Tiens, fais des petits avec ton gamin. Ah, bah, regarde, il a faim, lui. Il grandit. Ah non, il est en train de bouffer toutes les graines, c'est tout. Putain! Oh, regardez ça, il y a un creeper là-haut. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, cette saleté de creeper? Voilà, dégage. Impeccable, c'est bon. Regardez qui c'est que je ramène. Un petit copain. Ça, je vais le mettre sur mon canasson. L'armure en diamant. On m'a dit aussi, oui, les plaques, la redstone, ça sert à rien. D'ailleurs, faut les enlever parce que les zombies peuvent grimper dessus. Ou alors, faut les faire en pierre. Faut juste coller les plaques à la porte. Mais oui, j'aime bien comme ça, franchement. Ça déchire. Voilà, je vais y mettre. Ah ouais, direct, hein. Ça va, ma fifi? Ouais, ma fifi. Allez, ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est un enclos avec des vaches pour le cuir. Mais ce qu'il y a, c'est que les vaches, ils sont attirés par je sais plus quoi. Ah bah, par le foin. Hein? Viens, ma fifi. Je vais le faire sûrement par là. Voilà, ici, ce sera l'enclos pour les vaches. Eh ben, tu vas être bien, ma mère, ici. Allez, viens. Viens, voir tonton Jolotte. Bien, voilà. Voilà, approche. Tu feras des parfaites entrecôtes pour Noël. Allez, viens. Merde. Ah bah, j'ai pas fait exprès. J'ai ripé sur la souris. Oui, regarde. Regarde, ça y est, elle commence à m'aimer là, c'est bon. Viens, ma mère. Je vais t'amener des copines, tu vas voir. Bon, et bah là, franchement, on est pas mal. On a un enclos de vache, un enclos de poulet, un enclos de mouton. On a la petite cabane avec notre petit canasson. Hein? Ah, vous m'en avez proposé des prénoms pour lui, hein. J'ai eu du Ratatouille, du Robert, j'ai eu un petit peu de tout. Mais, on sait pas encore comment qu'on va t'appeler, mon vieux. On verra bien. Allez, ça, c'est une petite tape amicale, ça. Alors, je sais aussi, ça, on me l'a dit pas mal de fois dans les commentaires, que si je faisais ça, voilà, ça fait du pain. Donc, on va en faire un petit peu, tranquillement. Succès obtenu, du pain sur la planche. Ah, bah ouais, je vais en faire quelques-uns. Pas trop, parce que je le garde quand même pour nourrir... pour nourrir tout le monde. Voilà, je vais en faire 7. Ça va suffire, c'est nickel. Je vais ranger un petit peu mon inventaire. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire un coffre spécial juste pour la bouffe. Ce serait peut-être pas mal que je fasse une petite salle des coffres. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire une salle des coffres. Voilà, impeccable. Donc là, ce que j'ai fait, les gens, c'est que j'ai fait une salle des coffres. Et franchement, ça déchire. Regardez comment que j'ai fait ça. J'ai creusé là, tranquillement, voilà. J'ai mis 4 petites torches. Et j'ai fait un sacré trou, mon vieux. Impeccable, là. Hein? Alors, et bah voilà, je vous explique ce que j'ai fait un petit peu. Et bah là, j'ai fait une petite salle des coffres. C'est plutôt cool, franchement. Ça claque carrément. Je les ai bien sûr triés. J'ai mis tous les blocs ici. J'ai mis les armes, les armures ici. Les outils un petit peu. J'ai mis des petits trucs en vrac ici. Là aussi. Et puis là, j'ai mis la bouffe. Et franchement, c'est bien cool. Ça me plaît bien comme ça. Alors bien sûr, là-bas, bah, y a plus de coffre. Hein. Voilà, c'est fini. Terminé. Et franchement, là, ça commence à prendre de la gueule, vite fait. Hein. Oh là là, comment que ça déchire ici. C'est impeccable. Je vais faire un truc stylé. Ça va être excellent, regardez. Je vais faire des petits panneaux et tout. On va mettre un petit panneau ici. On va marquer salle des coffres. Impeccable. On va en mettre un ici. On va marquer... Ouais, ça sonne bien. J'aime bien, moi. Et on va en mettre un ici. On va marquer Nether. Impeccable. Et là, franchement, ça claque ou pas un petit peu, là? Hein? Moi, je trouve que ouais, hein. On va aller nourrir un petit peu tout le monde, là. Allez, vas-y, tiens. Ah oui, c'est vrai, le cheval, il a besoin de blocs de foin aussi. Succès obtenu, repeuplement. Eh ben, c'est impeccable, ça. Alors, attends, faut que je vois aussi comment faire un bloc de foin. Bah, ça doit être comme ça, logiquement. Ouais, bah ouais, impeccable. Je vais aller mettre ça dans la cage au canasson. Tiens, mon canasson. Voilà. Hein? Alors, allez dire que je m'en occupe mal, après. Allez dire que je le maltraite. Non mais, hein? Au lit. Allez.
Non mais attends, ça va pas mon vieux. Il est bourré d'amour ce canasson mon vieux. Il en reçoit trop. Il en a trop. Il est trop gâté. Bon, et ben on va se préparer pour le long voyage hein. Tranquillement hein. Alors le canasson il a tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai mes armures? J'ai tout ce qu'il faut, va peut-être falloir que je les enchante quand même. Je vais prendre quelques trucs sur moi quand même. Je vais prendre du bois au cas où. Parce que là je pars pour un long périple. Donc ça risque d'être chaud. Je vais prendre de la bouffe. Ça c'est cool, voilà. Mon épée en fer qui est enchantée, c'est impeccable. Alors apparemment ça sert à rien de prendre le 3 à chaque fois. Donc je vais prendre le 1. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, mais ça sert à rien de prendre le 3, tu uses des niveaux pour rien. Donc voilà, je prends le 1, ok. Et bah voilà, c'est impeccable mon vieux. Ah oui, un bouclier aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit comment faire un bouclier, je m'en souviens plus. Voilà, bouclier ça va être comme ça du coup. Tac, 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 impeccable. Et bah c'est nickel. Alors, comme ça, je fais ça. Et j'ai un bouclier. Eh ouais. Hop, esquive, tapez, esquive, tapez. Impeccable. C'est nickel ça. Je vais le ranger pour l'instant, j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est impeccable. Bon, et bah je crois qu'on est paré là, c'est bon. On va pouvoir y aller tranquillement. En plus, il fait jour. Je vais juste noter où je suis au niveau des coordonnées. Donc, 383, 69, 111. Et bah c'est parti mon vieux. En avant Ratatouille. Hein. Allez, let's go. C'est parti. En voiture. On s'en va, je sais pas où. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais on y va. Je voudrais bien essayer de trouver un village. Aller dans le désert ou je sais pas, enfin... J'espère que je vais pas me paumer. Oh, regardez ça, il y a des zombies et tout. Laisse tomber, il y a trop de trucs là. Eh, franchement, ça va plutôt vite avec le canasson. Hein. C'est un truc de fou, moi j'aime bien. Est-ce qu'il monte ici le canasson? Bien sûr qu'il monte. À l'aise. Attends, si je fais ça... Ouais, c'est... ça fait moins stylé comme ça, quoi. Non, comme ça aussi. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est impeccable. Alors là, pour tout vous dire, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, franchement. J'en ai absolument aucune idée. On va essayer d'aller là-bas, voir un petit peu. Oh, regardez, il y a de la lave là-bas. Ah, j'aurais dû prendre un seau pour tenter de ramener de la lave. Faudrait qu'on essaye d'atteindre le désert. Ah, ça va pas tarder à faire nuit en plus. Ah, regardez. C'est quoi ça là-bas qui brille? Attendez. Je vais peut-être passer là, il y a de la lumière. Putain, mais dégage, toi. S'il y a une torche ici, c'est que j'étais déjà forcément venu ici. Putain, merde, je me casse. Oh, regardez, c'est quoi ça là-bas? Ah ouais, c'est un Enderman, ça. Eh, je trouve pas le désert, franchement. Là, il y a une sorcière. Ok, d'accord, je me casse. Bon, les gens, c'est officiel, je suis complètement perdu, là. Je suis en train de courir dans tous les sens avec le canasson. Je sais même pas où je vais. J'en ai absolument aucune idée. Je cherche le désert, parce qu'on m'a dit que le plus souvent, les villages, c'était dans le désert. Mais, ça fait à peu près 10 heures que je cours, mon vieux, et je trouve pas le désert. Hein. 1612 blocs, bah laisse tomber, je suis parti v'là l'ouest, quoi. Ça se peut que je sois pas parti dans la bonne direction, tout simplement, c'est possible. Je galope, 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 et je vois aucun village, aucun désert. Donc le truc, c'est que si je m'en vais encore plus loin, bah je risque de jamais retourner à la base. Et franchement, je sais plus trop quoi faire, là. Donc si vous avez des objectifs à me donner dans les commentaires, bah hésitez pas, hein. Mettez-moi des objectifs. Parce que là, franchement, je sais pas où aller, je sais pas où je m'en vais. Et je sais pas ce qu'on fait, quoi. Bon, me voilà retourné à la base tranquillement. Non. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, ce délire, mon vieux. Hein? Vas-y. Va à l'abreuvoir, ma fifi. D'accord, je suis mort en descendant de mon cheval. Super. Jola, t'as suffoqué dans un mur. Bah ouais, tu m'étonnes. Et là, franchement, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir s'il y a pas moyen de trouver un peu de minerai là-dedans. Parce que franchement, là au niveau de partir à l'exploration avec le canasson, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Je trouve pas le désert. Vous m'avez dit dans les commentaires, il y a un désert, il y a des villages là-bas et tout. Et je trouve pas de désert, mon vieux. Je suis parti à presque 3000 blocs de la baraque. Et j'ai galopé pendant, je vous raconte même pas le temps, quoi. Alors vous, forcément, la vidéo, elle durera pas très longtemps, ça c'est clair. Mais moi là, ça fait exactement 1h51min et 21 secondes que je joue. C'est un truc de fou, je vous jure. Bon, bien entendu, je vous épargnerai toutes les balades en canasson qui servent pas à grand chose. Mais franchement, c'est un truc de fou. Ce que je voudrais bien trouver, c'est du diamant. Histoire 2. Vous voyez? Ah, j'arrive dans le fond une fois de plus. Et pas de diamant en vue. Et regardez tout ce que j'ai creusé. Hein. Regardez, c'est un truc de fou, quoi. Bah, de la redstone, ça, franchement, il y en a partout, j'ai l'impression. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Oh! Regardez, c'est quoi ça? De l'or. Ah, c'est de l'or, mais c'est pas du diamant. Voilà, encore une fois, c'est pas ce que je veux. Par contre, il y a de la lave au-dessus, là. Et par contre, les gens, faudra pas oublier de me donner des objectifs dans les commentaires. Là, franchement, faut que vous me passez un objectif parce que je sais plus quoi faire.
là, je suis perdu dans le jeu. J'ai été dans le Nether, j'ai ramassé la selle pour le cheval et tout. On a fait le donjon, tranquille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut que je trouve un village, mais... Bah, je trouve pas le désert. Je sais pas où il est. Ah! Ah non, putain, c'est de la lapis-lazuli, quoi. Ah, je croyais que c'était du diamant. Ah! Oh, putain! Ah! Ah bah, quand même! Ah, quand même! Ah bah, voilà! C'est ça que je cherche, moi, les gars. Franchement! Comment que c'est long pour trouver du diamant? Je vous explique même pas l'affaire. J'en ai trouvé combien? J'en ai trouvé que 8, quoi. 8? Enfin, tu me diras, c'est déjà pas mal. Regardez tout ce que j'ai trouvé. Hein. De l'or, quand même. Et la redstone. Hein. Je suis parti, j'avais 0 redstone dans les poches. Hein. Regardez, enfin... Là, vous avez vu plein de coupures, forcément, mais je vais vous montrer au retour tout ce que j'ai miné. C'est un truc de fou. Regardez. Vous allez voir tout ce que j'ai creusé. Je vais poser des torches un petit peu. Hop, après, je suis parti où? Je suis parti là. Voilà, je vous montre toute la galerie que j'ai faite. Hein. Voilà. Hop, ensuite, je suis parti là-dedans. Tranquillement. Et ça en fait, hein, du creusage, hein, vite fait. Hein. Après, je suis parti où? Je suis parti par là. Voilà, nickel. Après... bon, là, il y avait la lave. Après, je suis parti là-bas. Vous avez vu tout ce que j'ai creusé? Et tout ça, forcément, je vous le montre pas dans la vidéo, parce que ce serait beaucoup trop long, quoi. Ce serait trop long et trop chiant. Mais c'est pour vous dire que... ça mine, hein, mon vieux. J'ai la pioche en main. Après, voilà, j'ai été par là, et puis voilà. Après, c'était par ici. Voilà, j'ai commencé à creuser l'escalier par là. Voilà tout ce que j'ai creusé, les gens. Vous avez vu? C'est un truc de fou, quand même, hein. En tout cas, j'ai trouvé du diamant, je suis bien content. Voilà, on va retourner tranquillement ici. Alors ça, par contre, je vais les ranger bien précieusement. Voilà, c'est bien mes titis. J'en avais pas plus que ça. Dégage, j'en avais pas deux déjà dans un coffre, non? Non, je crois pas. Non, bah non, ok, d'accord. Et franchement, voilà tout ce que j'ai miné, quoi. J'ai de l'or encore, j'ai du charbon, voilà toute la pierre que j'ai trouvée. Laisse tomber, quoi. Et bah voilà, c'est impeccable. Il est parti derrière, mon canasson, hein. Ouais, ouais. Bon, écoutez, les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de Minecraft. En tout cas, encore une fois, oubliez pas de me dire dans les commentaires, mettez-moi des petits objectifs. Je sais pas s'il y a quelque chose de spécial à faire ou quoi à trouver. N'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye. We'll be right back.